told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. Salut à tous! Vous l'attendiez avec impatience, cette recette de la pâte à gaufres. Et oui, ça fait au moins 10 mois qu'on n'a pas fait une seule vidéo sur nos recettes de cuisine. Et là, vous allez me dire, tu refais une vidéo sur la recette de pâte à gaufres. Oui, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Et en fait, la vidéo que j'avais fait sur la pâte à gaufres a été mélangée avec une pâte à tartiner. On avait fait ça, j'étais moitié tout nu en plus, vous avez vu sur la vidéo. Elle n'est pas évidente à retrouver, cette vidéo-là. Je sais pas, c'était sombre et tout, on avait tout fermé parce qu'il y avait canicule, voilà. Donc je vais vous refaire ça bien. On va faire vraiment une recette que sur la pâte à gaufres à l'ancienne, une recette que j'ai un petit peu élaborée moi-même. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire pour culotter l'appareil à gaufres à l'ancienne. Donc culotter, c'est pour quoi faire? C'est pour éviter que votre appareil à l'ancienne, il ne colle. Comme c'est de la fonte, ça a tendance à coller. Donc en gros, faut que ce soit bien dégueulasse, bien plein d'huile pour que ça colle pas. En gros, c'est ça. Si vous avez un appareil en fonte qui est bien gris, ça collera forcément. S'il est tout crado, tout noir, ça collera pas. C'est comme ça, c'est tout. Mais en même temps, ça donne du goût, c'est ça qui est bon. Alors, on va commencer avec cette petite recette de pâte à gaufres. Il va vous falloir de la farine, du sucre, des œufs, de l'eau, de l'huile, un petit peu de sel, un petit peu de vanille et un petit peu de levure de boulanger. Parce que c'est une recette qu'on va faire gonfler. Donc vous la préparez en général le matin et vous pouvez la déguster pour le goûter vers 16h. Nickel, avec les enfants, avec un petit peu de chocolat dessus ou du sucre glace ou ce que vous voulez, du caramel beurre salé, ça passe bien aussi. Alors c'est parti. Je répète que moi je travaille toujours en grammes, comme ça au moins on n'a qu'une unité de mesure, on se prend pas la tête. Même l'eau je la pèse en fait. Voilà, donc on va commencer par les œufs et le sucre. Pourquoi je commence par les œufs et le sucre? Toujours, je mets mes œufs, je bats, je mélange un petit peu, environ, je fouette environ 2 minutes avec mon sucre. Et ensuite, j'ajoute ma farine. Comme ça, je vais casser les grumeaux. Je mets un tout petit peu de liquide. Comme ça, j'ai une pâte assez épaisse et je casse tous les grumeaux. Et ensuite, je finis par ajouter tout le liquide. Et comme ça, j'ai une pâte qui est bien lisse. Si vous mettez votre farine et votre eau, vous allez forcément avoir des grumeaux, à moins que vous utilisez une farine express en grumeaux. Moi j'utilise vraiment de la farine de base T55 et par contre je fais bien attention à faire ça étape par étape pour ne pas avoir de grumeaux. Pour la pâte à grès, pour tout ça, c'était toujours pareil en fait. Hein. Si vous mélangez votre eau direct avec votre farine, vous aurez forcément des grumeaux. Donc moi je fais toujours mes œufs et mon sucre. Alors donc on a besoin de deux œufs que je casse dans mon bol. Je le répète, hein, si vous voulez avoir la classe, faites ça d'une main. Ensuite, je vais venir mettre mon sucre de canne. Moi, je travaille toujours avec du sucre de canne, donc là, je vais pouvoir allumer ma balance. Et il nous faut en sucre 70 grammes. Donc, vous voyez, c'est une recette qui n'est pas très sucrée. 70 grammes de sucre pour 250 grammes de farine et 250 grammes d'eau. Ça va vous faire environ une pâte qui va faire plus de 500 grammes. Et on n'a que 70 grammes. Vous, vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre. Moi, j'aime bien en mettre parce que je mange mes gaufres comme ça, en fait, tout simplement. Moi, je rajoute pas grand-chose dessus, souvent. Donc 70 grammes de sucre, c'est parti. Et là, je vais pouvoir venir battre. On n'a pas besoin de blanchir l'ensemble. Là, c'est juste pour mélanger un peu. Voilà. Donc je vais peser mon eau. Il nous faut 250 grammes d'eau. Donc je peux mettre mon eau de côté, vous allez voir pourquoi je vais en avoir besoin tout à l'heure. Ensuite, là on peut mettre tout de suite, si on veut, on ne se prend pas la tête. On met un petit peu de vanille. Moi, mes recettes sont super simples. Hein. Franchement, si c'est pour se prendre la tête, c'est pas la peine. D'accord? Ensuite, on va venir mettre la levure de boulanger. Donc c'est de la petite levure fraîche, hein, vous voyez. Tout ce qu'il y a de plus simple. Moi, je préfère celle-là, celle en sachet, je ne sais pas pourquoi. Celle en sachet. Je trouve qu'elle a un goût en fait. Donc on a dit 5 grammes de levure de boulanger. Je
vais la peser comme ça, parce que ma balance, elle n'est pas très précise. Voilà, je suis à 6 grammes, c'est bon. 5 grammes, 6 grammes, on n'est pas un gramme près pour la levure, ça va. Hop, vous pouvez déjà commencer à l'émietter, c'est pas grave. Comme ça, moi, elle va bien se diluer. Je me prends pas la tête à la diluer dans du lot ou dans du lait chaud, tout ça, non, non, non. Moi, je fais ça comme ça, vous allez voir, ça va super bien. Hop, on n'est pas là pour se casser la tête, on est là pour profiter et manger de bonnes gaufres. On va mettre l'huile, donc vous aurez besoin de 60 g d'huile, vous pouvez mettre ça dedans aussi. L'huile, on est obligé d'en mettre, parce que sinon ça va coller dans l'appareil. C'est pour ça que j'en mets en fait. Là, vous pouvez continuer à touiller un peu. Vous aurez besoin de 250 g de farine, toute simple, T55. En fait, vous avez pareil en eau qu'en farine, 250 et 250. Bon là j'en ai mis un petit peu plus, hein, je suis à 260, ça va, on n'est pas à 10 grammes. Hein. Voilà, j'ai plus besoin de la balance. J'ai tous mes ingrédients, vous voyez, c'est quasiment fini, ça a été vite. Hein. Il ne reste plus qu'à mettre le gros sel, mais on le mettra à la fin. Donc nous avons mis 250 g de farine, 250 g d'eau, 2 œufs, 5 g de levure de boulanger, 70 g de sucre, un petit peu de vanille et un petit peu de sel. Une petite pincée, c'est pour activer les levures. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai mis mes œufs, mon sucre, mon huile, ma vanille et ma levure. Ça me fait une petite pâte liquide comme ça. Là je vais venir mettre un peu de farine pour épaissir tout ça. Le but du jeu, c'est de claquer toute la farine. Hop, vous voyez. Donc là forcément, je vais fouetter et ça va devenir super épais, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Là, on vient remettre un tout petit peu de liquide. Donc là, pour l'instant, ça fait peur. Il y a plein de grumeaux. Vous allez voir comment on va les casser. Et ça, comme je disais, c'est pareil avec tout. Vous faites dans cet ordre-là, vous n'aurez jamais de grumeaux. C'est pas possible. Avec un bon fouet de préférence. Ça fait un peu les bras. Donc on aura une pâte sans grumeaux. Et si vous faites une pâte à crêpes, c'est exactement pareil. Vous voyez, voilà. Et là, je peux mettre mon eau. Maintenant, je suis tranquille. Je sais que j'aurai pas de grumeaux. Notre pâte est quasiment finie. Vous voyez, c'était simple. Ah, vous mettez une petite pincée de gros sel ou alors du sel normal, ça marche aussi. Moi, j'avais que ça. Ça, ça va activer les levures et ça va permettre que la pâte gonfle plus vite et gonfle mieux. Donc voilà, vous avez vu, la pâte est quasiment finie. Là, je vais venir mettre un film étirable par-dessus. Et je vais la mettre à un endroit assez, assez chaud. Donc nous, on a de la chaleur qui sort près des bouches là-bas. Donc eh ben, je vais mettre le saladier là-bas. Ou alors je mets sur le frigo en général. Parce que sur le frigo, il y a le moteur qui est derrière. En général, ça rejette un petit peu de chaleur. Et ça permet de gonfler la pâte un peu plus vite. Ou alors près de votre chauffage, près de votre poêle à bois, si vous avez un poêle à bois. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous allumez votre four 5 minutes, même pas, 2-3 minutes, pour que ça reste un petit peu chaud. Et puis vous mettez ça dans votre four. Et vous laissez ça toute l'après-midi pour que ça gonfle. Et vous allez voir, là, la pâte est assez liquide. Mais vous allez voir, quand elle va commencer à gonfler, elle va être beaucoup moins liquide. Et il y aura plein de bulles d'air. Et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, parce qu'il ne faut surtout pas casser les bulles d'air. C'est ça, tout l'intérêt de laisser gonfler la pâte, c'est qu'on va avoir des bulles d'air. Et c'est que les gaufres vont être vachement aérées. Voilà. Donc moi, ça, c'est ma recette. Hein. Je vous la partage encore une fois. Je ne dis pas que c'est la recette miracle. Elle fonctionne bien. Elle ne colle pas. Elle est goûteuse. Les gaufres sont légères et croustillantes. C'est ce que je voulais. Si vous mettez plus de farine, vos gaufres, elles vont être beaucoup plus lourdes. Elles vont moins coller aussi à l'appareil. Donc moi, voilà. Moi, je suis entre les deux. En fait, j'ai trouvé le juste milieu entre les gaufres qui soient pas trop légères, mais pas trop lourde, mais forcément, au plus on va vers la légèreté, au plus elles vont coller à l'appareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai réussi à trouver le juste milieu entre les deux. Donc
c'est limite quand je les sors de mon appareil. Si mon appareil n'est pas bien chaud, elles vont peut-être coller. Mais vous allez voir que si c'est bien chaud, ça ne colle pas. Et vous avez des gaufres qui vont être croustillantes, qui ne vont pas être lourdes. Vous savez, vous pouvez en manger plusieurs. Ça ne fait pas le boum, ça ne tombe pas comme ça dans l'estomac. Je vais laisser gonfler jusqu'à 16h. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h. Voilà, je vais laisser gonfler à peu près 5-6 heures. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson des gaufres. Et là, avec la magie du montage, vous n'avez pas besoin d'attendre 6 heures. Regardez, on va faire ça maintenant. Attention, c'est parti! Hop, voilà, ça y est, c'est gonflé. Donc là, il est quasiment 17h. Et nous allons voir l'aspect qu'elle a notre pâte. Vous pouvez voir qu'elle a bien gonflé. Ça fait des toutes petites bulles. Hop, donc ça, c'est impeccable. On peut dire que la pâte est quasiment finie. Hein. On peut dire que la pâte est finie. Donc là, je regarde, voilà, c'est nickel. Il y a plein de grosses bulles d'air, donc j'y touche pas trop. Là, c'était juste pour regarder. Voilà, on laisse comme ça. Et maintenant, on va voir comment faire pour que la pâte n'accroche pas sur notre appareil en fonte à l'ancienne. Voilà. Alors donc l'appareil, il est en train de chauffer. Vous pouvez voir comment il est en fait dégueulasse. Mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Surtout, ne cherchez pas à trop le nettoyer. Donc si votre appareil est vraiment, vraiment trop sale, vous pouvez, avec une brosse métallique, entièrement le décrasser. D'accord? Vous le décrassez entièrement pour qu'il soit tout nickel. Ensuite, vous allez faire le premier culottage. Vous allez chauffer super fort. Des deux côtés, vous le faites chauffer ici. Vous le faites chauffer là super longtemps. Vous allez voir quand la fonte va vraiment commencer à être bouillante, bouillante. Avec un pinceau et de l'huile, vous viendrez badigeonner l'ensemble. Ok? Et là, en fait, vous avez, quand la fonte elle chauffe, vous avez les pores qui s'ouvrent. Et le fait de mettre de l'huile, l'huile elle rentre dans les pores. Et ensuite, vous laissez refroidir. Ok, vous laissez refroidir. Vous recontinuez l'opération 2-3 fois et on peut dire que votre appareil sera culotté. Voilà, et quand il est tout noir comme ça, bien brillant, avec cet aspect-là, ça veut dire qu'il est nickel. Vous voyez? Voilà, là l'appareil, il est culotté. Regardez comme il est bien noir. Et puis après, bah, la crasse qui est au milieu dans les charnières et tout, c'est pas bien grave, hein, vous laissez. L'important, c'est qu'ici, ce soit bien noir. Et en fait, bah, vous avez une pellicule de graisse qui s'est déposée, qui s'est figée, qui s'est fixée avec la chaleur. Et là, normalement, votre appareil ne va plus coller. Ensuite, si ça colle, ça veut dire que vous avez mis votre pâte et que l'appareil n'était pas tout à fait chaud. Et dans ce cas-là, ça va coller. Même moi, ça va coller si je ne fais pas attention à ça. Donc là, une fois que votre appareil il est culotté, en général, vous allez faire vos gaufres, vous allez en foirer une ou deux. Et puis ensuite, ça va aller. Donc surtout, ne vous découragez pas. C'est pas parce que vous allez en foirer 2, 3, 4, 6 qu'après, ça ne va plus aller. Continuez, continuez. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va aller. Donc il faut que l'appareil ne soit pas trop froid, il faut qu'il soit pas trop chaud non plus, parce que sinon vous allez cramer vos gaufres tout de suite, et là ça peut coller aussi. Il faut trouver le juste milieu entre pas assez chaud et trop chaud. C'est toujours pareil, c'est une question de dosage en fait. Donc là on va bien laisser chauffer. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à mettre l'huile. Donc moi je fais ça, hop, je mets des gouttes comme ça un peu partout, et ensuite je viens finir. Donc ça sert à rien d'en mettre partout, vous allez voir, hein, ça collera pas. Surtout sur les côtés, c'est là où c'est important. Puis bah, la première fois, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus d'huile. Voilà. Que ce soit bien brillant et vous allez voir, votre première gaufre, elle ne va même pas coller. Voilà, on va laisser chauffer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une toute petite goutte, voir sa réaction. Hop. Voilà, elle commence à cuire, donc là c'est pas mal. Et ici, non. Ici, il faut encore que je fasse chauffer. Là, on va dire que ça va être bon. Par contre, ici, non. Donc on va laisser rechauffer. Donc là, on va dire que c'est bon. Là, surtout, je viens prendre ma pâte sans la touiller, pour garder toutes les bulles d'air. C'est ça qui va donner de la légèreté et du croustillant à notre pâte. Voilà, j'en mets pas trop parce que ça va gonfler. Faites bien dans les coins pour avoir des belles gaufres. Hop. Là, vous refermez et direct vous tournez. Hop, voilà. Et là, on attend. Et là, on attend que ça cuit. Donc le gaz, vous le mettez en général, vous pouvez le mettre quasiment à fond. Hein. Ouais, quasiment à fond. Là, ce qu'on peut faire, c'est regarder gentiment. Vous ouvrez gentiment pour voir la cuisson, en fait. Et vous allez voir en même temps si ça colle. Et là,
Ça colle pas, regardez comme elles sont belles. Oh là 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 là, on va se régaler. Youhou. Ouais les enfants, parce qu'en fait j'ai oublié de vous dire, mais j'ai pas doublé ma recette. Donc en fait là je vais faire peut-être 8 gaufres et c'est tout. Donc nous on va pas en manger. Ouais, je pourrais faire 8 gaufres. Bah je sais pas, parce que les petits c'est des gros goulafs. Donc là maintenant c'est bon. Vous avez vérifié que votre cuisson était pas mal. Là maintenant vous pouvez y aller. Hop, vous retournez. Et vous regardez, pareil, faut pas trop le... Hop, voilà, vous avez vu? Donc là, on va laisser cuire encore un peu. Et là, vous regardez, hein, vous voyez, là, je suis un peu blanc. Si je tourne ici, je suis pas mal, donc je vais laisser cuire surtout ici, voilà. Après, la chose très importante, c'est qu'il faut les mettre sur une grille. Il ne faut pas les mettre dans une assiette parce qu'elles vont devenir toutes molles. Donc vous préparez une grille et vous pouvez venir les déposer. Donc moi je les prends à la main, regardez, hop, et je viens les déposer sur mes grilles. Vous voyez, comme ça elles ont le temps de sécher et elles ne vont pas durcir. Donc là on recommence l'opération. Hop, je remets un petit peu d'huile et là c'est bon, c'est parti. Et puis là ça va gazer là. Ça, moi je trouve que c'est plus rapide que les crêpes, déjà parce que vous les faites deux par deux. Et puis vous n'avez pas besoin de les retourner, vous savez, comme une crêpe. Enfin, je trouve ça plus facile. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter du fromage, de la tomme de Savoie ou un truc comme ça. Vous le râpez, vous mettez ça dans votre pâte. Ça fait des gaufres salés. Et franchement, c'est terrible. C'est terrible avec du fromage. Voilà, donc les gaufres sont quasiment terminés. Là, je suis en train de refaire 2-3 tournées. Ouais, on en aura à peu près 8, hein, en fait. C'est ça. Donc regardez, elles sont finies. Vous avez une belle petite gaufre avec des bulles d'air aérées et croustillantes. C'est extra. Et là, elle pourrait être encore plus croustillante si on n'aurait pas ce temps de brun dehors. Et le mieux, si vous voulez savoir si vos gaufres sont bonnes, c'est d'appeler des enfants. Les enfants! Qui c'est qui va manger des belles gaufres? Hein? C'est Julia! Lucas, il va manger aussi une belle gaufre? Allez, goûte! Alors, Lucas, elles sont bonnes les gaufres? Oui? Oui? Ah, bon, bah c'est cool, validé! Julia, est-ce qu'elles sont bonnes les gaufres? T'as pas goûté! T'as pas goûté? Théo? Perfecto! Perfecto? Nickel! Qu'est-ce que tu aimes bien dans ces gaufres? Pourquoi tu les aimes bien? Ouais. Donc ça c'est pas mal. Et puis elles sont bonnes, elles sont bien mangées, elles sont légères, donc c'est pas mal. Allez Julia, tu goûtes? C'est facile à manger. Alors attention. Alors attention, verdict. Elles sont bonnes? Julia. Voilà, eh bien on vous laisse, on espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle a été vachement demandée, c'est pour ça que je l'ai refaite. Et maintenant, si vous ne trouvez pas les recettes de pâte à gaufres, c'est qu'il y a un problème, il y a deux recettes sur la chaîne, je ne ferai plus de recette de pâte à gaufres, c'est la dernière, voilà. Sur ce, prenez soin de vous, gros bisous, et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve aussi dimanche à 19h pour la live, n'oubliez pas. Mettez des petits pouces si vous avez aimé la recette de la pâte à gaufres et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On le dit pas souvent, mais il faut le rappeler des fois quand même. Gros bisous à tous, bye bye, à bientôt.